quelque chose qui va les aider, n'est-ce pas, à sortir leur album. On a tous besoin de grandir. C'est la seule façon de nous aider, de nous entraider. Il y a 3 semaines, je ne connaissais pas cet orchestre, mais aujourd'hui, je connais cet orchestre. Et bien évidemment, lorsque il y aura une manifestation, bah, mes parents auront une manifestation à Cotonou, au Bénin ou n'importe où, c'est sûr que je vais recommander donc l'orchestre Divot. Et faites comme moi, recommandez cet orchestre, donnez-leur la chance, n'est-ce pas, de se faire connaître. Je vous remercie. Tout à l'heure, dans un instant, je vais recevoir un Thoron. Je recevrai Thoron et je recevrai Richard Flash. Dans un instant, je vais essayer d'établir la connexion, la liaison téléphonique donc avec ces deux géants de la musique. Avec eux, nous allons parler donc de la sécurité sociale des artistes, de tous les artistes en général. Et le cas des musiciens est encore plus inquiétant. Avec eux, nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons faire une petite transition, une petite pause musicale, juste histoire, n'est-ce pas, de rentrer en contact, de rentrer en liaison avec eux. Merci. Je vais semer la joie, je vais semer la joie, je vais semer la joie, je vais faire mal, je vais caca, tu seras content, tu seras un taillot. Marcel Yankwe, masque moto, à mon masque au coin, tu n'as pas aussi à vous les Madame Hunga, ça peut pas si gentil, oh, mais ça peut pas.
Eh bien, chose promise, chose due, je vous le disais tout à l'heure, donc je vais recevoir dans un instant deux géants de la musique béninoise, deux géants de la musique de chez nous. Je veux nommer Richard Flash et Stan Toron, donc qui me font l'honneur d'être donc sur cette émission, sur ce Zapping Live de ce dimanche 1er octobre, le tout premier dimanche du mois d'octobre. Je suis heureux de les avoir en ligne. Avec eux, nous allons parler de la sécurité sociale et particulièrement de la sécurité sociale des artistes béninois. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je crois que j'ai Richard et j'ai... J'ai Richard et j'ai Stan Toron qui sont en ligne et je vais essayer de rétablir la connexion avec eux dans un instant. Salut Richard. Allô Richard. Oui. Bonjour, bonjour, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Je vais essayer de joindre Stan Toron. Allô Stan Toron, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Panou. Merci d'avoir accepté donc notre invitation pour être en direct sur le Zapping Live d'aujourd'hui. Et on peut se tutoyer au cours de cette émission. Il n'y a pas de tabou au cours de cette émission. On pourra donc se tutoyer, et vous et moi. Et les amis sont déjà en ligne. Beaucoup sont déjà en ligne. Ils vont certainement vous poser une question tout à l'heure. Ils vont vous poser leurs questions en ligne. Je vais pouvoir vous les reprendre. Merci d'avoir accepté donc de participer à cet entretien avec moi pour les amis de Facebook. Nous avons voulu donc discuter avec Richard Flash et Stan Toron qui ne sont plus à présenter pour ce qui concerne le monde artistique au Bénin. Alors, il y a un constat aujourd'hui, les artistes béninois au seuil de leur vie, au déclin de leur vie, on constate qu'ils sont tous pratiquement dans des conditions non reluisantes. Ce que vous voyez, on a connu des artistes qui nous ont fait vibrer. On a connu des artistes qui nous ont fait danser, qui ont animé nos vies, qui ont animé nos vies artistiques et nos vies culturelles, qui ont animé nos fêtes. Et lorsqu'ils ne sont plus en état d'être sur le terrain, sur la scène culturelle, ils deviennent complètement comme des misérables. Comment se fait-il que, après avoir passé beaucoup, autant d'années à égayer tout un peuple, à égayer pratiquement même tout un continent, que nos artistes se retrouvent dans des conditions assez déplorables? C'est la raison pour laquelle j'ai voulu avoir aujourd'hui sur cette émission Richard et j'ai voulu avoir Stan aussi avec eux, parce qu'ils sont des artistes. Notre grand frère Stan, ça fait des années. Moi, j'étais tout petit, j'étais en classe de 6e quand j'ai commencé à parcourir derrière lui lors des festivals. Et il est toujours dans le domaine. Il a son expertise. Il a sa vision, sa lecture de la chose. Il y a mon ami, et un peu plus jeune que Stan, bien évidemment, Richard, qui a évidemment aussi une lecture de la chose. Et avec eux, nous allons donc parler de la sécurité sociale. Je vais d'abord demander à Richard. Il est beaucoup plus jeune. Richard, quel regard toi tu jettes aujourd'hui sur donc la sécurité sociale au niveau des artistes du Bénin? Et comment perçois-tu la sécurité sociale des artistes, d'un artiste que toi tu es? Et bon, évidemment, toi aujourd'hui, tu as la chance d'être en France. Mais lorsque tu jettes un regard sur tes frères qui sont restés au pays et sur les artistes béninois, eux tous restés au pays, quelle est ta lecture? Qu'est-ce que ça te fait de penser donc à tous ces jeunes qui sont restés au pays, Richard? Je crois que... Bonsoir d'abord, Vital. Bonsoir au roi, monsieur Stan Toron. Je dis monsieur bonsoir, parce que c'est un grand monsieur. Je crois que mes Béninois font la même lecture que moi aujourd'hui en remarquant que on enterre beaucoup d'artistes béninois et c'est dommage qu'on arrive jusqu'à la fin de notre vie et que
on est obligé d'aller chez les artistes béninois avec des caméras pour les filmer au moment où ils sont malades, pour pouvoir demander à la population de cotiser de l'argent pour les aider. Et c'est quand même pour les aider, pour les soigner. Et c'est ce qui est déplorable. Et moi, je me dis que les institutions en place, à partir du ministère de la Culture jusqu'au bureau des droits d'auteur, n'ont pas fait le travail qu'il faut depuis le temps des grands frères Rostam, parce que je pense à lui, je pense à sa grande année à nous aussi, parce que si quelque chose les arrive aujourd'hui, il va falloir qu'on frappe la porte au président de la République pour pouvoir les évacuer, alors qu'on n'a pas besoin normalement de ça. Il y a d'autres moyens pour qu'on puisse protéger les artistes. Parce que Tonstan a fait quand même beaucoup pour les artistes, pour la population béninoise, je veux dire, pour toute l'Afrique. Quelqu'un qui a été célébré, honoré au Cameroun, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui aujourd'hui ne peut plus vivre normalement dans son pays, ça veut dire que la République a failli. La République a failli parce que un gouvernement, un État protège ses talents. Un État protège ses enfants. Et nous, on n'a pas ce privilège-là dans notre pays. Et vous venez de faire un document sur un orchestre. Et juste à la fin de votre interview, vous voyez ce que vous étiez en train de dire. Ça me faisait très mal de dire qu'il faut que les gens fassent quelque chose. Il faut que les gens aident cet orchestre-là pour que l'orchestre puisse sortir un album. Ça fait très mal. Ouais. Ça fait très mal de voir que des gens qui ont du talent sont obligés de commander de l'argent, alors que le talent dans un pays, ça se protège. Et on n'a pas ce patriotisme-là chez nous. Donc le regard que je fais sur la situation aujourd'hui, c'est de dire à ce nouveau gouvernement qui est arrivé de prendre les choses en main. On peut avoir aussi un nouveau départ, une rupture dans la culture. C'est vrai. Voilà. Alors, donc si, entre-temps, mon grand frère Tronstan a quelque chose à dire, il peut toujours dire, et puis après, on va évoluer. Je ne veux pas monopoliser donc la parole. Tout à fait. Donc, de toutes les façons, on ne fera pas de langue de bois. Et en fait, le Zapping 229, le live est ouvert, et c'est une plateforme de vérité, de coups de cœur et de coups de gueule aussi, éventuellement. Stan Toron, et tu as écouté ton jeune frère tout à l'heure, faire l'état des lieux en ce qui concerne la situation des artistes au Bénin. Moi, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est leur sécurité sociale, leur lendemain, leur jour où ils ne seront plus en mesure, non, n'est-ce pas, de se produire. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelle est ta lecture à toi, et cher doyen? Mais moi, ma lecture à moi, c'est que l'État a démissionné. Et l'État a encore plus démissionné à l'arrivée du président Patrice Talon, où le fonds d'aide à la culture, qui est pour moi un fonds social, parce que ce fonds permet de donner quelques miettes aux artistes malades, aux artistes qui veulent produire des œuvres, et aux artistes qui veulent faire les festivals. Tous les festivals, toutes ces choses-là ont été sucrées depuis l'avènement du nouveau départ. Moi, la chance que j'ai eue, et que je te parle aujourd'hui encore, c'est qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Mathieu Kérékou. Et quand j'avais été malade, c'est le président Kérékou qui a demandé en expresso de m'évacuer dans le plus grand hôpital de la France, c'est-à-dire l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Heureusement, Dieu aidant, les docteurs m'ont sauvé. Mais il faut déjà remercier les docteurs béninois qui se sont battus pour me sauver avant qu'on ne m'évacue en France. Moi-même, au retour de la France, pour remercier le président Mathieu Kérékou à travers un concert, j'ai créé un fonds sanitaire de soutien aux artistes béninois. Et j'ai profité de cet événement pour donner des chèques à des artistes faits à leur âme. Il y avait Tabo Brown, qui est décédé. Il y avait Baba Diella. Il y avait Escapunto. Bon, Escapunto, lui, vit encore. Donc, ces artistes, je leur ai donné des chèques, pas beaucoup d'argent, 500 000 pour leur dire d'aller se soigner. Mais aujourd'hui, les artistes meurent de nivacine. Vous devez voir que depuis un an, il y a plus de 10 artistes qui sont morts
Il y a Marceline à bord, il y a Soglo, il y a... ils sont nombreux. Il y en a encore qui sont sur la ville. Pignon est très malade. Yves Pelli, il est paralysé. Et c'est, tous ces artistes, ils n'arrivent même pas à payer une plaquette de Nivacine pour pouvoir se soigner. Mmh. Alors, c'est là où je vous dis que l'État a fonctionné parce que moi, mon fonds social de soutien aux artistes malades n'a jamais été aidé, n'a jamais été alimenté. Oui. Et seul, que puis-je faire seul. Aujourd'hui, vous voyez des artistes qui sont obligés d'aller à des cérémonies, amener leur CD, sans être invités. Ils regardent à la télé les annonces de décès, ils vont et ils disent « bon, je vais animer ». Ils animent par espérant gagner quelques billets ou quelques pièces de 500 francs, ce que j'appelle la délinquance artistique qui s'est installée en grand au Bénin. Il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus de festivals. Heureusement, pour le premier ou dernier, on a pu avoir un sursaut du ministre de la Jeunesse et des Sports. Je lui dis merci, Oswald Omeki. Bon, c'est sûr qu'il ne pourrait pas faire ça sans le gouvernement, mais c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui organise les concerts maintenant. Mais que fait le ministère de la Culture? Alors, est-ce que le ministère de la Culture est devenu un ministère du Tourisme ou un ministère de la Culture et du Tourisme? Parce que c'est d'abord la culture avant le tourisme. C'est la culture qui draine les touristes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux dire que le président Talon a abandonné les artistes, là où ils étaient. Et entre-temps, sous l'autre régime, chaque trimestre, on avait des spectacles, je peux appeler des spectacles pour soutenir, pour aider les artistes à lutter contre la pauvreté. Donc, chaque 3 mois, le président Yahi Boni organisait des concerts pour que les artistes gagnent de l'argent pour tenir 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Donc, on nous donnait des cachets. Mais quand aujourd'hui, on apprend qu'on va chercher un Davido au Nigeria, on lui donne des centaines de millions pour venir faire du playback et venir à 3h du matin au stade, alors que mes artistes, les Richard Flash, les Bibi Dobo, tous les autres, je me demande si on leur a donné aussi 30 millions. Donc, le Béninois se sous-estime. Le Béninois ne s'aime pas. Et aujourd'hui, comme tu le dis, c'est grave qu'à la fin de nos jours, on se retrouve malade, alors qu'il était vivant, on ne l'a jamais donné 500 000. Mais à la mode, alors qu'il y a eu 20 millions qui ont été votés, et dans les 20 millions, les gens ont détourné au moins près de 10 millions pour donner le reste à sa famille. Donc, on attend notre mort pour venir nous célébrer. Alors que la vraie célébration, c'est à notre vivant qu'il faille nous célébrer. C'est ça. Ce Béillon, moi, je l'ai vu quand j'étais tout petit, à Bégamé, il chantait l'homme de Gaudier. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens savent qu'il est en train de mourir, de croupir? Et bientôt, nous allons apprendre aussi, je ne le souhaite pas, que Béillon aussi est parti. Et c'est ainsi que les artistes meurent tous les jours que Dieu fait. Et j'ai aimé le sketch d'un ami, d'un artiste béninois qu'on appelle Éléphant Mouillé, qui disait à la mort de Marceline Abor qu'il faut que la mort aille frapper aussi à la porte des hommes politiques. Bon, je ne le souhaite pas, mais eux, ils peuvent se soigner, ils peuvent venir en France. Moi, j'ai quitté le Bénin depuis le mois de mai dernier, mais c'est pas que j'ai fui mon pays, mais vu ce qui se passait, je me suis dit, bon, comme je suis résident en France, et que j'aime tellement mon pays que tout le temps je suis obligé d'être au Bénin pour animer la vie culturelle, je me suis dit, bon, je ne vais pas fuir le pays, j'y vais bientôt pour aller voir comment ça se passe. Mais je me suis dit, bon, il faut que je vienne là où je peux m'exprimer, là où je peux évoluer, là où la culture est encore considérée. Donc moi, j'ai écrit une lettre au président Patrice Talon, une lettre ouverte, dans laquelle je disais que la ronde du crocodile sera la ronde du varan. Pourquoi ce thème? Parce que je faisais partie des artistes qui ont supporté son arrivée. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je ne me retrouve plus dans le nouveau départ. Je ne me retrouve pas dans les réformes qui se font sans tenir compte de la forme, sans inviter les gens pour qui on fait les réformes, et on fait des réformes comme ça. Moi, je me dis, bon, personne n'a été à une école pour être président de la République, mais peut-être que le président Talon est en train de faire ses expériences et que bientôt, il va corriger le tir.
Mais s'il ne corrige pas le tir jusqu'à la fin de sa mandature, ce sera un échec. C'est ça. Un échec total. Et comme je m'y suis mêlé, c'est pourquoi je dis, quand il aura honte, c'est sûr que dans la rue, j'aurai aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans la rue, à côté de nous, les gens m'interpellent. Les gens disent, Toron, tu fais partie de ceux qui ont chanté le bonheur, que si Talon vient, il y aura le bonheur. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de malheur. Je dis, patientez-vous, ça va aller. Donc, je ne peux pas être là tout le temps à dire ça va aller. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une petite incursion en France. Oui. Ça fait depuis 5 mois que je suis là. Et voilà, j'aime mon pays et je continue d'aimer mon pays. Bon, Richard, je vais revenir à toi rapidement. Le tableau qui est peint est un tableau un peu sombre. Hein, on l'admet, même sans que vous ne le fassiez, nous-mêmes en tant qu'observateurs, en tant que consommateurs de votre travail, nous savons que le tableau est un peu sombre. Nous avons constaté que nos artistes, surtout nos musiciens, se meurent et meurent, comme l'a dit tout à l'heure Stan Toron. Mais il y a une question à toi et à Stan Toron. Lorsqu'on prend un artiste, est-ce qu'il n'est pas un peu libéral? Est-ce que l'artiste même, il ne lui revient pas un peu le devoir de se constituer une sécurité sociale, d'aller souscrire par exemple à la caisse de sécurité sociale pour ses vieux jours? Est-ce qu'il n'est pas un libéral comme un mécanicien, comme un menuisier, comme tout travailleur de main qui n'est pas nécessairement déclaré par l'État, hein, dont la sécurité sociale n'est pas prise en charge par l'État, mais qui peut lui-même se constituer sa propre sécurité sociale pour ses vieux jours, Richard? Bien sûr, mais je vais vous expliquer ce qui se passe ailleurs. Oui. À la SACEM, donc, qui est le bureau des droits d'auteur en France ici, oui. Quand vous prenez votre répartition de droits, vous voyez à des endroits, si par exemple, je donne un exemple simple pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre. Sur la fiche, vous avez des endroits où on vous met cotisation retraite, sécurité sociale. Ça veut dire que ces gens-là, dans ce pays-là, ils ont compris qu'un artiste, la musique, c'est comme une profession, je vais expliquer, qu'est-ce que je veux dire. C'est une carrière musicale que vous décidez, mais c'est votre travail, on vit de ça. C'est un métier, on vit de ça. On ne peut pas faire, on ne fait pas deux métiers au même moment. C'est comme si vous demandez à Jean-Jacques Goldman, est-ce qu'il ne va pas faire ça? Non, mais il est protégé par sa nation. Même si lui-même, entre-temps, s'il n'y a que ces artistes-là qui sont un peu conscients, qui peuvent aller eux-mêmes, aller constituer leur assurance vie. Moi, je peux me lever et faire l'assurance vie de toute ma famille. Mais d'abord, l'État doit protéger les gens. C'est-à-dire que le Bubedra peut imposer aux artistes, sans avoir leur avis, qu'on va prendre telle somme dans tes royalties pour te cotiser une assurance vie. Et c'est ce qui se fait partout. On ne vous demande pas, monsieur Vital, là où vous travaillez aujourd'hui, on ne demande pas votre avis avant de prendre l'argent de votre salaire pour cotiser votre retraite et votre assurance vie. C'est ça. Vous voyez ça simplement sur votre fiche de paye. C'est ça. Et quand le bureau des droits d'auteur prend de l'argent dans les buvettes, dans les hôtels et chez les fournisseurs de téléphone au Bénin et qu'ils ne distribuent pas aux artistes, ils font quoi avec? Mais Richard, justement, pourquoi le bureau, le Bubedra ne le fait pas? Est-ce que vous êtes artiste? Est-ce que vous avez déjà porté cet aspect, cette information? Je n'ai pas envie d'appeler les noms des directeurs, des deux directeurs de Bubedra à qui j'ai frappé à la porte. Et pas devant qui je suis allé leur dire, voici ce qu'il faut faire. Un écrivain, un auteur-compositeur de musique, celui qui fait de l'art graphique, de la plastique, un cinématographe qui fait du cinéma, à la télévision, qui est photographe, tous ces gens-là ont besoin d'une protection sociale. Et on peut cotiser petit à petit. Il suffit simplement de réunir des experts, de voir avec les maisons d'assurance qu'il y a et de leur dire comment est-ce qu'on peut travailler. Alors, les gens, ils font des commissions de 6 mois, d'un mois ou de 6 mois. Pour changer la constitution, ils donnent 10 millions aux gens pour faire le boulot. Donc, le bureau des droits d'auteur peut rassembler des experts et leur payer pour que les gens puissent se pencher sur la situation et travailler sur le fait de savoir comment on peut, à quelles conditions on peut admettre un artiste pour qu'il puisse avoir une protection sociale, puisqu'il fait partie déjà de notre patrimoine. Là où Toron Stan est aujourd'hui, dans d'autres pays, il aura déjà son image au musée Grevin. Vous êtes d'accord avec moi?
Jonas Pedro est parti. Vous avez entendu quelque part au Bénin qu'il y a une rue qui s'appelle Jonas Pedro? Le Bibédra, ce que j'aimerais comprendre, le Bibédra, est-ce que le Bibédra... Nous ne savons pas. Laissez-moi deux minutes. Oui. Je veux dire simplement que le peuple béninois, comme le roi l'a dit tout à l'heure, n'arrive pas à aimer ses propres choses, c'est-à-dire sa propre culture. Si je dis culture, à partir du moment où on n'arrive pas à protéger, on n'arrive pas à immortaliser nos talents, c'est que un jour, est-ce que votre fils peut vous demander qui est Jonas Pedro? Parce qu'il entendra parler de Jonas Pedro nulle part. Il faut déjà qu'on immortalise l'artiste quelque part pour que votre enfant vous dise, mais quand on est parti à votre musée, papa, il y a un monsieur qui est debout avec un micro, il s'appelle Jonas Pedro. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est qui? Mais nos enfants n'auront rien de tout ça. Donc ça nous a parti aujourd'hui, je suis désolé, je ne lui souhaite pas ça. Mais on n'entendra plus parler de lui. Et un peuple ne vit pas comme ça. J'allais te demander, Richard, est-ce que le Bibédra n'est pas... C'est un peuple qui va rester sans histoire. Est-ce que le Bibédra n'est pas foncièrement, essentiellement géré par les artistes eux-mêmes? Est-ce que c'est relié à l'État? Le Bibédra, Toron Stan peut vous donner la définition du Bibédra plus que moi. Parce que Toron a beaucoup lutté avec les gens du Bibédra pour que les gens-là puissent se moderniser. Si je vous dis aujourd'hui qu'une carte de membre d'artiste au béninois, ça s'écrit en quoi avec un stylo? Non, ne rigolez pas, je suis en train de rentrer dans les détails pour que vous puissiez comprendre quels sont les problèmes que nous avons au Bénin aujourd'hui. Vous me dites, on donne de l'argent à ces gens-là pour aller en formation en Belgique et en France, chez les autres bureaux des droits d'auteur. Vous croyez qu'ils ne comprennent pas que normalement sur les fiches de paye, on peut cotiser, on peut faire une cotisation en retraite pour les artistes? Vous croyez qu'ils ne savent pas? Ils savent tous. Mais pourquoi ils ne le font pas? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, Toron Stan a déjà fait plus de 500 heures de concerts live. Et on a les preuves. Et celui-là, normalement, il devient intermittent de spectacle. C'est-à-dire que on peut commencer à lui payer un salaire chaque mois, chaque fin du mois. Si Toron Stan sort aujourd'hui dans la rue, combien de personnes retrouvent le sourire? L'État doit lui payer un salaire pour ça. C'est ça qu'on appelle l'argent qu'on paye pour les intermittents de spectacle. Parce qu'à partir du moment où il a fait 500 heures de spectacle et il a été déclaré, puisque le Bibédra demande toujours des fiches de prestation, on doit lui payer un salaire. Là où se trouve sa branche Daniel aujourd'hui, qu'il fasse un concert ou pas, il doit avoir un salaire chaque fin du mois. Pourquoi on met 5 milliards à côté pour former des clans, pour bouffer les 5 milliards, ne rien faire? Je vais poser la même question à Stan Toron. Stan Toron, aujourd'hui, l'artiste, le chanteur, un chanteur comme toi, n'a pas de retraite. Et est-ce que c'est la faute au Bibédra ou bien est-ce que c'est la faute à l'artiste que tu as été? L'artiste béninois aujourd'hui n'a aucune protection. Vous savez, moi j'ai été président de la lutte contre la piraterie. Oui. Et j'étais le président du comité. Et j'ai lutté pendant un moment où des artistes comme Miguelito, puis le petit Miguelito ou d'autres, même les Pio Barreau, allaient toucher des dizaines de millions au bureau béninois des droits d'auteur. Mais à un moment donné, vous savez qu'on est au Bénin, les gens croyaient que je gagnais beaucoup d'argent dans cette activité, alors que je sortais de l'argent de ma poche pour mobiliser les bodyguards, pour mobiliser la police ou l'armée, pour aller sur le terrain embêter. J'allais même au marché et les gens tombaient dans les bassines d'huile de palme. Ils fuyaient partout. Et les gens avaient peur de pirater la chose culturelle. Mais aujourd'hui, je remercie l'arrivée du nouveau directeur Aropa, que j'avais combattu, mais qui j'ai vu que, après tout, il était le meilleur. Mais qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui pour lutter contre cette piraterie? L'État va au marché pour ramasser les médicaments frelatés, mais l'État n'a qu'à ramasser aussi, sans former des gens pour ramasser aussi les cassettes piratées, et les artistes béninois n'auront même pas besoin du fonds d'aide, ils n'auront même pas besoin de l'État, ils pourront gagner, ceux qui vont travailler, vont gagner leur vie, ils pourront payer leur sécurité sociale. Mais aujourd'hui, il y a une démission de l'État.
Richard Flash parlait tout à l'heure de Jonas Fedo. Ce monsieur, père à son âme, c'est lui mon patron, c'est lui qui m'a formé. Et quand il est mort, j'ai été à Lokosa à son enterrement, j'ai vu le nombre de politiciens qui étaient venus se faire voir avec les Agbada, les grands boubous. Mais Pedro, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui si ce n'est pas ses enfants qui de temps en temps organisent l'anniversaire de Pedro? Combien l'État donne pour soutenir cet anniversaire? Moi, j'ai voulu que le rôle des arts de Cotonou soit appelé rôle des arts Jonas Pedro. Le grand Ladier, qu'on mette au moins le nom de Jonas Pedro sur le rôle des arts et que les enfants vont demander, mais qui sait, on peut leur expliquer que c'est un grand saltier du Bénin. Mais les autorités m'ont dit que non, on ne peut pas, ça demande trop de formules. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça vous dit de faire un conseil des ministres et de dire que ce rôle des arts s'appelle le rôle des arts Jonas Pedro? Ça ne nous coûte rien. Donc, comme je te l'ai dit, les artistes ne sont rien pour les autorités béninoises. Les artistes ne sont pas comptés. Quand vous entendez même des fois les discours du président Talon, vous entendez plus de tourisme que de culture. Mmh. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a jamais reçu les artistes. Les artistes ont beau crier, ils ont dit que ça ne va pas. Personne ne s'occupe d'eux parce que pour eux, ce n'est pas un corps intéressant. Donc, on ne peut pas dire que l'artiste même ne cotise pas, il ne s'occupe pas de son art. C'est un métier libéral, c'est bien sûr un métier libéral. Moi, je suis venu en France depuis 6 mois. Je vis de quoi? Je vis de mes droits d'auteur. Si j'ai un problème, je suis membre d'un comité de cœur où nous cotisons tous, et le comité de cœur siège et on me donne de l'argent. Parce que on sait que je cotise et je mérite. Mais aujourd'hui au Bénin, un artiste qui est malade, Yves Pelé, c'est lui qui a fait la porte du non-retour, si les gens ne le savent pas. Mais Yves Pelé aujourd'hui est paralysé du pied gauche et de la main gauche, du pied gauche et de la main gauche. Il ne peut plus marcher et on attend ça. Les gens vont attendre, il va mourir. Après, on va dire, c'est lui qui a fait la porte du non-retour, c'est lui qui a fait chuter. Donc, nous aimons, manifester pour la mort de nos artistes. Quand ils meurent, ils deviennent importants. On dit, il a fait ci, il a fait ça. Moi, je pense que c'est dommage ce qui se passe. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, ou du Ghana, ou même du Togo, où les Toufan, tous ces artistes aujourd'hui sont soutenus par le gouvernement. Mmh. En France, ici, un Johnny Hallyday, ou bien un Pascal Obispo, ou bien ils ont leur part. Et chaque année, on leur donne des subventions pour pouvoir animer la vie musicale. Mais aujourd'hui, nous, moi j'avais un festival pour lequel j'encourageais les jeunes à faire du Tchink System, festival pendant lequel je donnais des millions aux lauréats. Mais aujourd'hui, ce festival n'existe plus parce que, avec le nouveau départ, on a tout géré. Mais maintenant, les jeunes sont obligés de faire comme le Nigeria, d'imiter les artistes nigériens à la musique urbaine. Richard Flash, on va revenir dans un instant sur ce qui a changé fondamentalement depuis le nouveau départ, depuis la rupture, ce qui a changé fondamentalement et qui désole un peu les artistes. Mais je vais revenir un peu en arrière pour demander à Richard et à toi aussi évidemment, est-ce que c'est pas parce que vous avez eu la chance de sortir du pays que vous savez que ça peut se faire autrement en ce qui concerne par exemple la déclaration sociale, l'assurance sociale pour un artiste? Est-ce que le jeune artiste béninois aujourd'hui qui est au Bénin, qui a besoin d'argent pour s'acheter le petit déjeuner le matin, lorsque le bubedra lui verse son argent, est-ce que cela ne le rassure pas plus? Et comme le demande en direct ici sur ma page Facebook, il y a Ernesto Dubien qui pose une question. Il demande, est-ce qu'il y a une maison d'artistes ou bien un syndicat d'artistes au Bénin? Et si oui, et quel est le rôle de ces syndicats? Est-ce que, par exemple, en tant qu'artiste, vous avez un syndicat qui porte vos intérêts, ne serait-ce que dans le cadre social, par exemple, qui pourrait porter vos intérêts? Est-ce qu'il en existe? Tu me poses la question ou à Richard? N'importe qui, celui qui se sent à mieux de répondre. Bon, mais moi, alors... Tu veux savoir s'il y a une maison des arts, c'est ça? Non, en fait, s'il y a une organisation syndicale des artistes, des musiciens, par exemple, pour défendre vos intérêts. J'étais le président du syndicat national des artistes du Bénin. Et ce syndicat, je l'ai animé pendant des années,
Mais je me suis dit un moment, mais c'est toujours toi, Toron, pour lutter contre la piraterie. C'est toi, pour le syndicat. C'est toi, pour gueuler, pour dire des vérités. C'est toujours toi. Alors tais-toi un peu et puis occupe-toi de ton art. Mmh. Et je me suis tu et j'ai dit, bon, moi aussi, je m'occupe de mon art. Parce que ce syndicat, c'est ce syndicat qui m'a couvert pour pouvoir aller dans les marchés, pour aller arrêter les cassettes. Et le syndicat a fait que la Commission nationale de lutte contre la piraterie a été créée. C'est ça. Mais dès qu'on m'a donné un peu d'argent pour lutter contre ce fléau, beaucoup de gens ont cru que, bon, j'étais nanti, que je n'avais pas touché à un sou des 40 millions qui m'ont été alloués, et j'ai déposé ma démission et je suis parti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que la lutte contre la piraterie, ça n'existe plus. Les gens, ils n'ont pas le courage d'aller dans les marchés parce que dans les marchés, vous savez, c'est des gens aussi qui sont armés, qui sont prêts à vous faire face. Moi, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu pas mal de choses, mais je me suis dit, je ne vais pas lâcher l'affaire. Bien ça. Donc, le syndicat est aujourd'hui, si je ne le réveille pas, si quelqu'un ne le réveille pas, il va mourir de sa vraie mort. Ah bon. Mais là, un jeune artiste qui sort un titre comme Fanico, ou Blaze, ou Petit Miguelito. Ces jeunes, il y en a qui sont connus ici, qui passent sur Trace, qui sont sur Facebook, qui sont tous Instagram partout. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Richard Flas qui va aux Antilles, qui va à La Réunion, qui va en France, partout pour aller représenter le Bénin. Combien le Bénin lui donne pour faire la promotion de son art? Parce que nous, on est plus ambassadeurs que ceux qui vont s'asseoir à la rue du Cherche Midi pour dire qu'ils sont des ambassadeurs. Quand on parle du Bénin ici, c'est de nous qu'on parle. C'est nous qui faisons qu'on parle du Bénin. Mmh. Et moi, j'ai été jusqu'à Mexico, à Acapulco, partout, on me demande mais où se trouve le Bénin. Mmh. Donc nous sommes plus ambassadeurs que ceux qui sont nommés au ministère des Affaires étrangères, mais on ne s'occupe pas de nous. Et donc, ces artistes, ces jeunes artistes qui sortent des œuvres aujourd'hui, d'abord, ils sont piratés à gogo, au Bénin, oui. Et ce n'est que par des droits ici, dans les télés où ils passent, qu'ils peuvent toucher un peu de doigts. Regardez ce qui arrive au Petit Miguelito aujourd'hui, où tout le monde le traite de tous les noms. C'est parce qu'on ne s'occupe pas de lui. Si on s'occupait de ce jeune, tout le monde, parce que chaque artiste a fait des raillements, oui. Mais on pouvait l'orienter. Et c'est un bijou pour le Bénin qui pouvait être exporté. Moi, je l'ai vu au Tchad. Tout le Tchad était en effervescence. Mais c'était un Béninois, j'étais fier. Au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes artistes qui naissent? Il y a des jeunes artistes qui vont en studio eux-mêmes avec leur argent pour aller faire des œuvres. Mais arrivé à un moment donné, ils ne peuvent plus soulever à la tête. Ce qu'on faisait au fond d'aide à la culture avant, on les aidait à sortir leurs albums. Mmh. On les aidait à payer des thèmes, ceux qui les aident payent des thèmes, et puis ces artistes, ils deviennent de grands artistes, il y en a aussi, je ne vais pas vous les citer, mais il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par ce biais, qui sont devenus de grands artistes aujourd'hui. Il y a un groupe béninois qui allait aux États-Unis, et parce qu'il manquait 3 billets d'avion, ils n'ont pas pu voyager. Alors que si le fonds des arts, si le soutien de l'État était là, on allait leur acheter ces 3 billets, ils allaient voyager pour aller faire la promotion de notre culture. Vous avez vu les polices, moi, en Suisse, pour le 1er août. Tous les Suisses, à Lausanne, comme je ne sais pas où, tout le monde veut venir pour le 1er août prochain au Bénin. Est-ce que c'est le tourisme qui a fait ça? C'est les polices, moi, qui ont donné la joie et tout le monde dit, ah, j'aime le Bénin, je vais aller au Bénin. Mais ils croient que quand ils vont venir au Bénin, ils vont avoir la fête comme ils ont eu. Mais il n'y aura pas de fête parce qu'au Bénin, moi, la culture n'est plus encouragée. C'est ça. Il y a la fête peut-être dans les messes de requiem, même pas les baptêmes, même pas les mariages, c'est des enterrements. C'est aux enterrements maintenant qu'on va avec son CD pour demander à chanter, pour gagner un peu de sous. C'est dommage. C'est abrutissant. Ah, ouais. C'est dommage. C'est ça qui... Mais regardez le président. Ah oui, vas-y, Richard. De couper la parole au roi. Mais il faut que le Béninois même arrive à comprendre une chose. Les artistes ne pleurent pas, les artistes ne disent pas l'État doit tout faire. Non, c'est que le minimum même qu'un État fait pour ses talents, l'État ne le fait pas.
On n'est pas en train de pleurer pour dire, moi, je n'ai jamais attendu l'État pour sortir un album. Je n'ai jamais attendu l'État pour faire un clip. Et ce n'est pas le problème d'un artiste, ça. Mais quelque part, un enfant, un citoyen, parce qu'un Béninois aujourd'hui, s'il a un problème au Cameroun, il peut appeler le Bénin, il peut appeler le ministère des Affaires étrangères, le Bénin ne fera rien pour lui. Alors que si vous avez un fils français kidnappé ou arrêté dans un autre pays, il faut voir combien de fois ça passe en boucle sur la télévision. L'État prend ça en charge. Ah oui. Mais on parle de quelque chose que les Béninois doivent commencer à inculquer dans leur tête, à voir le patriotisme. Déjà, le Béninois même n'aime pas son artiste comme les autres pays. Vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple. Vous prenez la Côte d'Ivoire. Ah oui. Quand vous parlez d'un artiste ivoirien, vous parlez mal d'un artiste ivoirien auprès d'un ivoirien, même s'il n'aime pas l'artiste, il vous dira tout de suite, mon frère, tais-toi, c'est notre Yoro. Mais vous parlez d'un Béninois auprès d'un Béninois, il va vous dire tout de suite, avec des musiques au Eder Bénin. Vous comprenez la chose? Oui. Mais comment voulez-vous qu'un artiste puisse vivre aisément au Bénin si à chaque fois on connaît la qualité de ses œuvres et qu'on l'appelle pour un concert et on lui propose 300 000, 500 000 au-delà. Ça n'en s'arrête qu'à 500 000. Et on demande Richard, aux artistes béninois Richard, de faire des clips de la même qualité que les Nigériens et les Ivoiriens. Ça ne peut pas se faire. Parce qu'un clip aujourd'hui coûte 6 millions, 6 millions, 4 millions. À partir de cet instant-là, le minimum que l'État peut lui faire au moment où il est malade, l'État ne le fait pas dès la base. La base a été faussée depuis. Et je crois que le combat que moi je suis en train de mener aujourd'hui en tant que leader, c'est ça que M. Thoron avait voulu faire entre temps et il n'a pas pu. Mais il faut quelqu'un pour commencer et dire aux gens que qui s'adouent à Daniel Lou prend 600 000 au bureau des droits d'auteur, le Bubedra peut lui retirer à chaque fois 50 000 francs CFA là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce sommet là, il aura déjà tout cotisé. S'il est malade aujourd'hui, mais justement, on peut l'envoyer Richard, en France. Pourquoi avec ce que tu dis, pourquoi avec ta lutte, le Bubedra persiste à ne pas écouter? C'est pour ça que je suis tenté de te demander, est-ce que c'est peut-être parce que tu le fais de façon solitaire, est-ce qu'il ne faut pas l'intégrer dans un mouvement associatif ou bien dans un mouvement syndical, un peu comme que Thoron disait tout à l'heure, ce syndicat qu'il a dirigé pendant un moment, est-ce que c'est parce qu'on te considère peut-être que, bon, lui, il est venu de la France pour parler, est-ce qu'il ne faut pas intégrer tous les artistes béninois? Vous ne pouvez pas intégrer tous les artistes béninois. Quelqu'un doit commencer et ils doivent vous écouter et après les autres vont suivre. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à faire un mouvement et intégrer tous les artistes béninois, vous allez rester là pendant 15 ans. Ils ne viendront pas à la réunion. Quand vous allez les convoquer, ils ne viennent pas. Si vous leur demandez que vous voulez les voir pour parler d'une affaire, à partir du moment où ils ont un peu le côte, ils ont comme l'impression oui, que vous voulez prendre. Richard, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a ce problème-là de lobby. Un peu comme ce que Thoron disait tout à l'heure. Tu ne peux pas faire la réforme. Si le vieux Thoron. Tu ne peux pas faire si la le réforme. Vieux Thoron Stam. Oui. Tu ne peux pas faire la réforme. Si le vieux Thoron Stam n'a pas pu, avec l'aura que lui a au Bénin aujourd'hui, vous ne pouvez que faire ça autrement. Moi, je n'aime pas quand on critique pour critiquer. J'amène des propositions. Et cette proposition-là, je suis allé vers les directeurs, deux directeurs de Bubedra. Je n'ai pas envie de citer leur nom ici. Et j'ai donné mes idées. J'ai des idées. C'est à eux de travailler les idées pour que ça soit concrétisé après. Et c'est ce qu'il faut. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. S'il y a 5 milliards au fond d'aide à la culture, moi, personnellement, j'aimerais voter 2 milliards pour s'occuper de la santé. Pourquoi on a mis les 5 milliards là, et les 5 milliards, alors qu'on ne peut même pas les utiliser pour organiser un grand festival aux Zénith en France? D'accord. Autant prendre 2 millions dedans et s'occuper de la santé des artistes, cotiser pour les artistes qui sont connus. C'est-à-dire qu'il doit avoir des conditions. Ce n'est pas tous les artistes qu'il y a au Bénin qu'on va ramasser pour dire on les protège. On va apprendre aux gens à s'auto-éduquer. On vous impose des conditions et vous avez des démarches administratives à faire avant d'avoir ce qu'on vous demande. Si vous voulez avoir votre sécurité sociale, si on doit vous protéger au moment où vous allez faire un accident, si c'est par rapport à votre maladie, si par rapport à la maternité, il faut des démarches administratives.
Et vous devez respecter. Si vous voulez avoir des droits, il faut respecter les devoirs. Tout à fait. On va faire une petite pause. Et ce n'est qu'un pas. On va faire une petite pause musicale. Restez toujours en ligne. On va faire une petite pause musicale. Et puis, nous allons revenir tout à l'heure donc, sur la gestion du fonds d'aide à la culture dans un instant. On va observer une petite pause rapidement. Hey, maintenant, c'est en flamme. Bien, voilà donc le Zapping Live aujourd'hui. Nous sommes en direct avec deux géants de la musique béninoise. Je vais nommer Stan Toron et puis Richard Flash. Avec eux, nous étions en train de parler depuis un moment donc de la sécurité sociale, des conditions de vie de nos artistes, de nos musiciens en particulier à leurs derniers jours quand ils ne sont plus en activité. Le tableau n'est pas aussi reluisant. Je crois que il y a pas tout le monde ici parle sans langue de bois. Et donc je crois que l'État était à certains moments indexé, le Bubedra également. Et nous allons maintenant parler du fonds d'aide à la culture. L'État ayant été indexé, mais Richard et Stan, surtout sous les 10 ans de Yayu Boni, l'État a injecté beaucoup d'argent en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne les artistes au Bénin. Il y a eu un fonds d'aide, il y a eu les États généraux de la culture, il y a un fonds d'aide qui a été créé, qui est passé de 1 million jusqu'à 2 millions, 3 millions, voire même, je dis millions, milliards, excusez-moi. On est même passé jusqu'à 5 milliards à la veille.
n'est-ce pas, de dernières élections. Et puis, subitement, du coup, avec l'arrivée du nouveau départ, et il y a eu un abattement de près de 52% donc sur ce fonds d'aide. Et il semblerait même qu'il y a eu des malversations au niveau de la gestion de ces fonds. Est-ce que quelque part l'État n'a pas joué son rôle, et qu'est-ce qui, où est-ce que ça a failli? Est-ce que c'est au niveau du fonds d'aide à la culture que ça a failli? Est-ce que le fait que le gouvernement de Talon ait décidé de réduire de 52% le fonds d'aide à la culture, est-ce que cela n'est pas lié au cas de malversation qui a été constaté au niveau de la gestion de ces fonds? Je vais peut-être m'adresser directement à Stan Toron, puisqu'il est l'aîné. Il doit certainement avoir des informations, et certainement Richard va intervenir tout à l'heure s'il le veut bien. Le président Talon, dès son arrivée, a gelé le fonds qui était augmenté à 5 milliards. Nous n'avons jamais eu 5 milliards. C'était cette année qu'on devait avoir les 5 milliards. Mais ce n'est pas 52%, comme vous le dites. Le fonds n'existe plus. Le fonds n'existe plus. On a appris seulement qu'il y a eu une diminution à hauteur de 52%. Non, il n'y a plus de fonds d'aide, selon ce que je sache. Peut-être que je suis coupé du pays depuis des mois, mais à ce que je sache, je suis toujours en contact avec les miens. Je suis certain, je peux vous dire que ce fonds n'existe plus, même à 10%, il n'y a plus de fonds d'aide depuis le nouveau départ. Il n'y a plus de fonds d'aide. Et ce fonds d'aide, pour moi, je le disais tout à l'heure, c'était un fonds social de soutien pour lutter contre la pauvreté des artistes. Tout le monde, tous les Béninois, ont dit le partage de la richesse. La richesse, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour les autres, et que les artistes ne sont pas dedans. Dès qu'il y a un problème, dès que le Bénin va, je ne souhaite pas, dès que le Bénin tremble un peu, on fait appel à qui? Nous sommes les chirurgiens, les docteurs à qui on fait appel pour dire, chanter, composer des chansons, pour qu'il y ait la paix, et pour la paix, dans la paix, on va voter. Et puis, bon, moi, je suis un célèbre artisan de ce boulot. Ouais. Et à chaque élection, j'interviens pour dire aux gens, mobilisez-vous, votez dans la paix. Qu'est-ce que le Bénin m'a fait? Et tous les artistes qui font ça, est-ce que le Bénin les a encouragés pour leur donner un prix pour dire bon, pour voler lui comme pour la paix? Donc nous avons droit aussi à notre part de la richesse. 5 milliards pour nous tous, pour nous les artistes, c'est rien du tout. Nous on pensait même qu'à l'arrivée du président Talon, comme on l'appelait Agbono, on savait que si Agbono venait, on aura 10 milliards, voire 15 milliards. Mais nous sommes revenus à 0 milliard. Ça veut dire que aujourd'hui, les gens n'ont plus de considération pour les artistes. Et cette considération se transmet par le fait que depuis... Comme je te le demandais tout à l'heure, est-ce que cela n'est pas dû aussi au fait qu'il y a eu des cas avérés de malversation au niveau de la gestion de ces fonds? Les cas avérés, ça, je l'approuve. Moi, je n'ai jamais été membre d'un comité et je ne veux même pas, parce que je veux faire mon art. Les gens disent des fois que c'est vous qui faites que les choses là se passent parce que vous ne voulez pas vous présenter aux élections. Nous ne voulons pas, moi je ne veux pas me mêler à ces choses-là parce que je me suis mêlé en syndicat, en président de la Commission nationale de lutte contre la piraterie. J'ai vu tout ce que j'ai récolté, donc je me suis interdit de rentrer dans ces trucs-là. Mais si quelque chose me revient, je souhaite que ça me revienne. Il y a des gens qui ont été membres du comité d'administration du fonds d'aide réellement, il faut le reconnaître, qui ont fait des bêtises et qui ont acheté des maisons, qui sont aujourd'hui dans des 4x4. Alors qu'ils n'ont rien fait artistiquement, ils chantent même pas, on n'entend pas leurs œuvres, mais ils sont riches. Ça, le gouvernement peut dire ça. Et ça peut faire qu'on fasse des réformes. Mais on fait des réformes en passant de la forme et en se basant sur ceux pour qui on fait les réformes. Mais moi, par exemple, je n'ai jamais été contacté pour les réformes sur le fonds d'aide où on veut que bon, les choses se passent autrement et que bon, les gens ne nous volent plus. Ça, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, quand j'entends le ministre de la Culture dire que on veut des gens pour aller former les enfants dans les écoles pour qu'ils deviennent des artistes, j'ai dit, mais vous voulez les amener sur un chemin caliteux? Nous qui sommes déjà sur le terrain, vous ne faites rien pour nous soutenir. Vous voulez prendre de l'argent maintenant pour aller former les gens dans les écoles, les enfants, au lieu de les laisser suivre leur cursus, aller à l'école, vous voulez les former pour devenir des artistes, et après vous allez les laisser comme vous nous avez laissés. Comme l'a dit Richard Flash, moi je suis à plus de 35 albums. J'ai été imité par
le Cameroun par des artistes camerounais, Sam Fantomas. Mes œuvres ont été reprises par des artistes ivoiriens, par des moines, les Espoirs 2000, par des Togolais, des Lorafiatou. Donc, je suis quelqu'un qui est comme un musée pour certains artistes. Mmh. Ils viennent puiser dans mon art. Oui. Mais on ne peut pas dire que 5 milliards donnés aux artistes béninois, je n'ai pas le nombre exact de vrais artistes béninois, qu'on ne peut pas leur donner 5 milliards pour évoluer. Allez voir en Côte d'Ivoire ce que le président Ouattara fait pour les Mewi, les Kikendia Favoui, les Alpha Blondi. C'est des gens, il y a une subvention. Et ils n'ont même pas besoin, parce que rien que le bureau du droit d'auteur de la Côte d'Ivoire génère des milliards, parce qu'on presse ceux qui consomment, on presse les pirates qui ne peuvent pas pirater. Et un artiste qui n'a même jamais sorti une œuvre, peut aller voir si son compte, 500 000 ou 300 000, alors qu'il n'a rien sorti, on fait le partage au nombre d'artistes qui existent. Donc, le fait qu'aujourd'hui, vous parlez de 52%, et le fait qu'on ait supprimé catégoriquement et sans appel ce fonds d'aide qui a été voté quand même, je sais que l'Assemblée est au courant, l'Assemblée nationale sait que ce fonds existe et qu'on le supprime comme ça, je ne sais pas où c'est. C'est une année blanche qui va reprendre. Mais je trouve que ce n'est pas bon. C'est comme si les artistes ne participent pas à la vie économique et qu'ils n'ont pas droit au partage de la richesse. Richard. Donc notre part de la richesse, oui, qu'on nous donne, oui, et que nous-mêmes, on va s'organiser pour savoir comment dépenser. Nous pouvons dans le fond d'aide acheter des instruments pour soutenir les jeunes. Il y aura un orchestre, s'il veut faire un album, il y a un studio, et on aura même une radio. On peut avoir même une télé dans notre fonds d'aide, si on s'organise bien. Mais les gens qui sont là, ils ne sont pas des faiseurs. C'est des professeurs, c'est des gens qui ne connaissent rien dans l'art, qu'on a nommé, ou bien qui sont quelque part, et qui décident à notre place. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas que quelqu'un décide à ma place comme il veut. C'est pourquoi j'ai dit, bon, je vais internationalement assurer mon domaine. C'est et ça. C'est pourquoi depuis, je suis à l'international, je suis été en Allemagne, en Italie, je vais partout, mais tout le monde n'a pas cette chance, comme tu le disais, comme Richard Flash, comme moi, comme d'autres. Et moi, j'ai vu des artistes béninois comme Wali Badarou ou d'autres qui... Je leur ai dit, mais pourquoi vous ne venez pas au pays pour venir nous soutenir? Et ils n'ont pas le temps, parce que le pays ne les appelle pas, le pays ne les intéresse pas. Et voilà comment ça se passe. Richard, je vais revenir vers toi et tu vas aussi réagir, oui, hein, sur cet abattement de 52%. Mmh. Tant on disait tout à l'heure que le fonds a été d'ailleurs supprimé carrément parce qu'il ne comprend même pas que ce soit 52% d'abattement. Quelle est ta réaction par rapport à ça et quel regard jettes-tu en tant qu'artiste, en tant que musicien, sur la gestion de ce fonds les 10 dernières années? Monsieur, la gestion de ce fonds les 10 dernières années, je peux dire que ça n'a rien apporté à la culture béninoise. Mm. Ça n'a rien apporté parce qu'on vous dit qu'il y a de l'argent, 5 milliards, alors que les pays qui n'ont même pas ce fonds-là sont sur la plateforme internationale plus que le Bénin. C'est-à-dire qu'on connaît la musique du Togo, alors que quand il y avait les polyrythmes, il n'y avait pas ce fonds-là, mais le Bénin faisait peur aux artistes ivoiriens, même aux artistes togolais et nigériens, à partir de Polyrythmo. C'est-à-dire que quoi? Que moi, personnellement, sur ce sujet-là, par exemple, je ne m'entends pas avec le roi. C'est ça. Je sais pas si vous comprenez ce que bien je sûr, dis. Bien moi, sûr. Le fonds, aujourd'hui, peut ne pas exister. Moi, j'hésite. J'ai fait mon premier album sans le fond, je vis sans le fond et je continue d'exister sans le fond. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que toi tu es en Europe, tu es en France, est-ce que c'est pas parce que tu es à l'étranger? Non, pas forcément. Sont restés au pays, est-ce qu'ils peuvent exister sans le fond? Ce que je vais expliquer, oui, mais les artistes ont existé sans le fond. Les artistes ont beaucoup, il y a beaucoup d'artistes béninois qui ont eu du talent, qui ont existé sans le fond et qui ont quand même eu du succès à l'extérieur. On est d'accord? Mmh. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, on peut supprimer le fonds d'aide à la culture, mais avoir quand même de la trésorerie pour la culture autrement.
c'est un travail de fond. Il faut avoir de la volonté politique. Et la culture d'un pays, la culture, c'est la vitrine d'un pays. Richard, la culture, c'est la vitrine d'un pays. Oui, est-ce que tu penses qu'il faudra... Oui, je peux répondre. Et en même temps, on peut ne pas mettre de l'argent. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on met beaucoup plus d'argent dans le tourisme en oubliant la culture. Donc, vous ne pouvez pas avoir le tourisme sans la culture. Et c'est ça que le gouvernement en place est en train d'oublier. Il lui faut des experts. Tonstan a parlé tout à l'heure, le roi, mon grand frère, parlait tout à l'heure, il a parlé de quelqu'un, Wali Badarou. Oui. Wali Badarou fait partie des membres de la SACEM en France. Et pourquoi on ne lui fait pas appel pour venir apprendre aux gens comment il faut gérer, par exemple, le bureau des droits d'auteur? On peut investir de l'argent de ce côté-là et protéger les artistes autrement. Comment il faut percevoir les droits d'auteur sur les chaînes de télévision à la base? Comment on peut inciter les gens à jouer de la musique béninoise sur les chaînes de la nation? C'est-à-dire que quand les chaînes sont implantées au Bénin, que ce soit télévision ou radio, il n'y a pas de quota. Et donc, les gens, pour ne pas payer les droits des artistes béninois, commencent à jouer les artistes étrangers et en même temps causent d'autres problèmes. Parce que la génération qui écoute ces genre de choses à la télé, à la radio, pense que ce sont ces artistes-là seulement qui sont bons. Alors que les artistes béninois sont bons. Mais à partir du moment où on ne joue pas leurs œuvres, personne ne fait. Et donc, le problème, c'est... J'ai comme l'impression que je ne me fais pas comprendre. Oui. C'est... On doit faire un référendum, je ne sais pas où. Oui, justement, c'est ce que j'allais te demander, Richard. Est-ce que tu penses que... Une conférence nationale de la culture. Voilà, est-ce que tu penses que... expliquer les choses aux gens. Est-ce que tu penses peut-être qu'à l'étape actuelle de la chose, parce que le gouvernement de Talon qui est là a certainement fait cet abattement ou bien cette suppression dans le cadre de ces réformes, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que le gouvernement associe, n'est-ce pas, les artistes? Est-ce que pour ça, est-ce qu'il ne serait pas judicieux que l'on parle, par exemple, d'un autre forum, pour parler avec, qui va regrouper les artistes, n'est-ce pas, les états généraux de la culture, si on peut l'appeler ainsi, de passer voilà, à 12 états, les états généraux de la culture, Monsieur Panou, je parle de toutes ces choses aujourd'hui. Le roi doit être... Oui, le roi. Je ne suis pas d'accord avec Richard aussi. Il dit que on n'a pas besoin de fonds d'aide pour faire promouvoir la culture. Si vous allez aux États-Unis, il y a un grand président américain pendant la guerre, on lui a dit bon, qu'on va supprimer un peu, on va supprimer le fonds culturel pour aller fabriquer des armes. Il a dit mais s'ils n'ont plus de culture, ils n'ont plus d'armes. Et pour promouvoir la culture d'un pays, il faut un fonds. Et oui, je sais que le fonds, on peut l'appeler autrement, mais on ne peut pas dire fonds d'aide à la culture. Parce qu'on a comme l'impression que je peux parler. Pour aider les artistes. Le fonds d'aide, ce n'est pas que la musique. Il y a les comédiens, il y a les cinéastes qui ont besoin de beaucoup de milliards pour faire leur film. 5 milliards pour nous tous, ça ne peut même pas être décrit. Le gouvernement béninois, le président, peut dire à toutes les sociétés, aidez les artistes et nous allons vous revoir ça sur vos feuilles d'impôt. Si vous donnez 100 millions à une œuvre culturelle, on saura comment vous comptez les impôts. Ça peut inciter les sociétés à participer au fonds culturel. La loterie nationale prenait de l'argent pour soutenir le fonds d'aide. Donc on ne peut pas dire que dans un pays, il n'y aura pas un fonds de promotion de sa culture, mais pas seulement la musique. Il faut qu'on aide nos cinéastes. Il faut qu'on aide nos comédiens. La phrase est là. Excuse-moi, le roi. La phrase est là. Oui. Un fonds pour la promotion de la culture. Je préfère qu'on l'appelle comme ça et qu'on ne dise pas fonds d'aide à la culture. Non, là où je te parle de promotion, Richard, tu connais... Promotion, d'accord. Tu connais un cinéaste béninois qui s'appelle Amoussou, ou bien comment il s'appelle, qui a eu un prix au Burkina Faso. Amoussou Sylvestre, un ami, ouais. Est-ce qu'au Bénin, on a monté ce monsieur au Bénin pour dire voilà un fils de notre pays qui vient de faire un exploit pour que les jeunes cinéastes, ceux qui sont derrière les caméras, réalisateurs et autres, puissent se dire ah, moi aussi je vais me battre pour aller au FESPACO et aller remporter des prix? Non, les conseillers du président auraient dû dire au président de le recevoir et le féliciter. On l'a jamais le ministre de la culture simplement.
pouvait quand même recevoir M. Sylvestre Amoussou. On a été au Burkina Faso. C'est de ça, que je suis en train de parler, le roi. C'est de tout ça que je suis en train de parler, que normalement, on devrait mettre une autre équipe et faire les états généraux de la culture et faire comprendre aux gens ce que signifie la valeur d'un artiste dans le pays. Parce que le ministre de la Culture qui est là, est-ce qu'il connaît déjà la valeur d'un chanteur? Je veux dire, d'un bon chanteur. Déjà. C'est à partir de ce instant-là que les choses vont commencer. Je suis désolé de parler comme ça pour faire comprendre aux gens qu'il faut déjà considérer la chose pour lui donner plus de valeur. À partir du moment où les gens ne connaissent pas, ne considèrent pas la chose, ils ne peuvent pas donner cette valeur-là. Et le Fonds d'aide à la culture peut ne pas exister, mais il peut quand même avoir un budget pour la culture, puisque c'est la culture qui est la vitrine d'un pays. Donc quand tu parles d'appellation. On peut même dire 5 milliards, ça ne suffit pas pour moi. C'est-à-dire que quand on dit 5 milliards, c'est parce que c'est juste une appellation, comme les gens t'appellent au Bénin pour te proposer un cachet, au lieu de te dire carrément qu'ils te proposent 500 000, je te propose un demi-million. C'est pour te faire comme si c'est beaucoup, quoi. Bon, quand voilà, on dit 5 milliards, un demi-million. Quand on dit 7 milliards pour la culture, pour moi, c'est de la rigolade. Il vaut mieux ne pas en parler et quand même se disposer au moins de 20 milliards à côté et être en train de donner de la valeur. Vous comprenez ce que je dis? Et donner de la valeur en donnant de la brillance à notre culture pour qu'on puisse parler du Bénin partout, parce qu'aujourd'hui on parle du Nigeria partout, parce que les gars sont venus sur le marché, ils ont tout écrasé, parce que... Comme tu l'as dit, avec des films à 6 millions, à 10 millions. Très bien. Tu veux faire un clip aujourd'hui avec des cachets de 300 000 qu'on te propose au Bénin? Non. Tu peux pas, parce qu'un clip, ça coûte 6 millions. C'est ça. Je reviens sur ce que tu viens de dire par rapport au ministre. Pour moi, le ministre de la Culture, il n'est qu'un représentant. Celui qui, que moi je peux dire que si ça se passe comme ça, c'est lui, c'est le président Talon. Parce que le Bénin révélé doit être un Bénin qui fera en sorte que nous aurons des cinéastes qui iront représenter le Bénin au Canada, qui iront représenter le Bénin dans le monde, au Japon, partout. Et pourquoi pas les hommes de théâtre, les comédiens béninois, les éléphants mouillés, les pipes, on a des comédiens qui peuvent venir. Alors, Richard et Stan, je vais vous laisser en 3 minutes chacun. Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Je vais vous laisser 3 minutes chacun et vous allez adresser votre message directement au chef de l'État. Parce que ce qui est sûr, même s'il ne suit pas actuellement cette émission, il aura l'écho de cette émission, il aura votre message. Vous avez un message certainement adressé au ministre de la Culture, vous avez un message adressé au chef de l'État. Actuellement, on parle de réforme, on parle beaucoup de réforme, et c'est d'ailleurs dans ce cadre que il y a eu donc la suppression, bien l'abattement sur le fonds d'aide à la culture. Je vais laisser à chacun de vous 3 minutes top chrono pour passer un message au chef de l'État, un message important par rapport à ce qui concerne les réformes au niveau de la culture qui sont en cours actuellement. Comment vous auriez souhaité que cela se passe? Est-ce qu'il faut passer par les états généraux de la culture? Encore une fois, vous allez lui dire, on a fait le tableau, n'est-ce pas, de la sécurité sociale des artistes. Le tableau est un peu sombre. La situation au niveau du fonds d'aide à la culture, on en a parlé, c'est vrai, vous deux, vous avez reconnu que à ce niveau, il y a eu des manifestations. Quelles sont vos propositions, chacun? Quelles sont vos propositions respectives pour que cela se fasse, pour que cela se gère mieux à l'avenir? Quelles sont vos propositions que vous aimeriez voir la rupture ou le gouvernement de Patrice Talon intégré, n'est-ce pas, dans son programme d'action du gouvernement pour que les réformes soient bien, n'est-ce pas, au profit et dans les bonnes conditions profitables à chaque artiste béninois? Je vais laisser la parole d'abord à Stanislas Thoron, n'est-ce pas, pour adresser son message. Moi, bon, pour, je dirais d'abord prompte guérison au président Talon, parce que quand j'ai quitté le Bénin, il était malade. Et bon, mais je voudrais qu'il appelle les vrais culturels, les gens qui sont concernés par la chose culturelle, qui sont au Bénin, et qui sont même autour de lui. Il y a des gens qui peuvent donner de bonnes idées, des gens comme Tola Koukoui, des gens comme Sizogan, parce que nos artistes plastifiés, il n'y a que ceux qui sont connus, les Roumiades, Razoumé,
les vipères qui viennent en Europe, et quand ils viennent ici, vous voyez comment on les adore, quand les Européens se prosternent devant eux, parce que c'est des gens qui sont respectés. Donc j'ai demandé au président Talon de faire en sorte que les vrais concernés puissent s'asseoir et décider de la chose culturelle, qu'ils remettent les 5 milliards à sa place, parce que c'est pour nous, et nous le méritons. Et si c'est peut-être pour une vengeance, pour montrer que le Bénin est vraiment révélé, moi je souhaiterais qu'ils mettent même 10 milliards. Parce que 5 milliards, c'est quoi? Si un cinéaste veut faire un film, un pays pauvre ne fait pas de cinéma, hein, il sera obligé d'aller voir une banque pour pouvoir faire son film. Ce qu'on nous propose aujourd'hui au Bénin, beaucoup d'artistes ne pourront pas le faire. On nous demande d'aller hypothéquer nos maisons pour aller dans les banques pour dire que nous sommes des promoteurs spectacles, promoteurs artistiques, pour pouvoir organiser des festivals. Je connais mes frères, la plupart, ils ne vont pas accepter de s'hypothéquer à une banque pour avoir de l'argent pour organiser un festival. Peut-être qu'il ne leur apportera pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, les festivals sont gratuits pour voir le niveau du festival. Un festival comme le festival des premiers Gaïou en Côte d'Ivoire, tous les podiums sont gratuits. Mais par rapport à la gratuité, on voit si les gens se déplacent pour venir voir votre festival. Et c'est à partir de ça que les grandes structures, Africa Création, HCCT, toutes ces structures-là vous donnent de l'argent pour les prochaines organisations. Donc, si on nous dit aujourd'hui d'aller dans les banques pour aller passer de l'argent pour venir organiser nos festivals, Monsieur le Président, c'est comme si on ne veut plus que nous existons. Moi, depuis 5 mois, je suis venu me respirer un peu en France, parce que ça ne me convient pas. Alors je vous demanderai, avec tout le respect que je vous dois en tant que notre premier responsable, de revoir la chose culturelle. C'est la culture d'abord, avant le tourisme. Mettez la culture devant, et vous allez voir que notre pays va encore faire un grand sursaut. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie. Tu as dit d'envoyer un message au ministre. Bon, le ministre, je n'ai pas grand-chose à lui dire. Parce que je pense que lui n'est qu'un porte-parole de ce que le président décide. Il ne peut pas imposer quelque chose au président. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le ministre Ange Nkoué, c'est le président Talon. Si aujourd'hui la culture béninoise bégaye, c'est le président Talon. Si rien ne marche sur le plan culturel, c'est lui qui va être responsable aujourd'hui et demain. Merci. Merci Stanislas Talon. Et Richard Flash. Oui, Vital. Je dis merci à tout le monde et j'aimerais dire simplement à tous les politiques. Je ne vais pas m'adresser au chef de l'État, il a mieux à faire. Mais ceux qui sont autour de lui et ceux qu'il a désignés pour se charger de la culture, il faut que ces gens-là comprennent qu'un pays sans culture est un pays en voie de disparition. Quand on parle de culture, on ne parle pas seulement de musique. On parle de tout, de nos vaudous, de l'art plastique, du cinéma et de tout ce qui reste. Et c'est exactement la culture qui représente la vitrine d'un pays et qu'il doit veiller beaucoup à ça. Lui doit simplement demander des comptes à chaque fois à ses collaborateurs, ceux qu'il a désignés, ceux qu'il a mis à chaque département pour s'occuper de la culture. Oui. Et la culture est... Le tourisme vont de pair. On ne peut pas avoir le tourisme sans la culture. Oui. Et on doit considérer les artistes, donner de la valeur aux artistes pour que nos enfants qui apprennent la musique aujourd'hui ne puissent pas tomber dans les mêmes panneaux que nous. Et que nos vieux qui ont fait la musique avant nous puissent vivre aisément et être respectés. C'est le boulot qu'on doit faire et que c'est maintenant que ça doit commencer. Si la culture, si la rupture a commencé il y a très longtemps, le nouveau départ a commencé il y a très longtemps, mais le changement, c'est maintenant. Merci. Merci Richard. Merci Richard. Faisons en sorte que la musique nourrisse son monde, que la musique nourrisse son artiste.
que la musique nourrit son artiste pendant qu'il est actif et que la musique nourrisse également son artiste pendant ses vieux jours. Merci à Richard, merci à Stan Stone pour donc avoir accepté de parler de ce sujet, de la sécurité sociale en particulier pour les artistes béninois, et de parler, de jeter un regard sur le monde culturel, la gestion des affaires culturelles en général au Bénin. Je sais que vous serez écouté, vous serez entendu. Je pense et je crois fermement que pour réussir une réforme, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Tom aussi l'a dit, il est important d'associer les acteurs donc de ces secteurs. Et je souhaite donc que les responsables qui vont suivre cette émission vont vous tendre tout au moins la pêche pour avoir des idées, parce qu'on ne peut pas faire de réforme dans la culture sans les acteurs de la culture eux-mêmes. Merci à Richard, merci à Astan. Bon séjour à vous. Je vais vous dire, vos jeunes frères ont besoin de vous. Vous avez eu la chance de sortir du pays et vous avez eu certaines expertises, étant donné que vous avez eu un brassage culturel, un brassage avec les formes administratives et puis la gestion des affaires culturelles dans d'autres pays. C'est sûr que votre expertise, c'est sûr que ce que vous savez faire, et sera un plus, sera un capital à apporter à la gestion des affaires au Bénin. Je vous demande, malgré vos frustrations, malgré toutes les difficultés que vous avez eues, de ne pas, en fait, tenir rigueur. De ne pas fuir le pays. Oui, de ne pas fuir le pays. Merci Stan, de ne pas fuir le pays. Et votre expertise, mettez toujours cela à la disposition. Je sais que Richard est très frustré parce qu'il a à plusieurs reprises essayé de faire passer son message au niveau d'un certain nombre de responsables et la porte ne lui a jamais été ouverte. Richard, je pense que tu n'es pas le seul. Il faut pas te décourager et ce message va certainement passer. Et toutes les fois que tu vas au pays, il faut continuer toujours pas frapper aux portes. Il faut toujours continuer pas pousser parce que Nous allons partir, nous vont essayer de préparer également le terrain aux jeunes qui sont là et puis qui certainement n'ont pas eu la même chance que vous de quitter le pays et de voir comment ça se fait ailleurs. Alors je vous remercie, beaucoup de courage à vous. Merci à Stan Toron, que nous appelons affectueusement le roi. Merci à toi. Merci à Richard. Et si, si un de ces jours nous avons encore la chance de nous avoir pour d'autres entretiens, ce serait bien. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, nous allons nous séparer et sur cette musique, sur cette sonorité de Richard Flash que j'adore beaucoup. Au revoir. Allez, ciao. Au revoir. Tu sais qui je suis. A ta porte, mon Dieu, oui, de même, on dit. Mon nom, toi, dans si t'es prêt. Mon nom, toi, tu sais qui je suis. Mon nom, et mes ronons, le bon adja. Mais ton mani l'onde. Mini, quoi, dans si. Mini, quoi, dans si, l'onde. Mais ton mani l'onde, là. Ton mani l'onde, pépé. Mais ton go, à nous t'élé. Mais ton go, ni nous t'élé. Mais ton mani l'onde. Chicago, me hook a cacabuelo.
a formé wa chondo beto mani nunde beto mani nunde pepe ifa beto go ni nutere beto go wa nutere beto mani nunde shei dona ye ni se boye ni se beto mani nunde la beto mani nunde pepe a jeli Merci à tous ceux qui sont restés en ligne, Christian, Bernard, merci à toi, Babo, Romaré, qui vient de rejoindre, Brice, merci, Eloge, Diodaga, le voyou, Dieu un cas, toi, Richard Flash, zéro, Laurent Soussou, merci à toi aussi, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont restés en ligne depuis le début de cette émission. C'est vous qui faites l'émission, c'est pas moi. Merci à Stan, merci à Richard. Voilà donc, vous avez suivi, c'était Richard Flash à l'instant même. Nous allons maintenant écouter un morceau de Stan Taron pour boucler la boucle. Le roi, on va écouter un morceau du roi. L'Allemagne depuis Danke. Merci à François Taredi qui nous a rejoint également. Dieudonné à Lyon. À Kouenitou Sergio qui est en ligne aussi. Merci. Patrick de Souza, merci. Voilà, il est en ligne depuis le début de cette émission. Merci. Aboubakar Mohamed El Bakir, merci à toi. Merci à Brice Kenwande, Kenwande Brice, merci à toi, merci à David Tézi, ceux qui sont restés en ligne depuis le début. Parmi les émigrants, il y a des politiciens. Parmi les émigrants, il y a
Voilà, donc nous sommes au terme de cette émission de ce jour, de ce Zapping Live de ce jour. Je suis très content de vous avoir eu en ligne. Merci à chacun, merci à tous ceux qui sont restés. Merci à ceux qui sont partis et qui sont revenus et ceux qui viennent de nous rejoindre encore une fois. Merci à tout le monde. Vous avez vu, l'émission aujourd'hui avait une couleur beaucoup plus culturelle. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, nous n'allons pas parler que de la politique au niveau du Zapping. Nous ne sommes pas seulement là pour faire de la critique, pour taper sur nos gouvernants, comme certains le pensent, et nous ne sommes pas dans une certaine opposition politique. Nous sommes plutôt là pour parler du développement du Bénin. C'est ce qui nous intéresse le plus. En fait, moi, de toutes les façons, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce que je veux faire sur le Zapping désormais. Je veux faire de la promotion. Désormais, c'est la promotion de tout ce qui participe au développement du Bénin. Si c'est pas la politique que ça doit passer, je vais y passer. Merci à Stan, merci à Richard qui sont passés avec eux. Nous avons parlé des conditions de vie de nos artistes, de nos musiciens. Nos musiciens meurent, tant on l'a dit tout à l'heure, il y en a certains parmi eux qui n'arrivent même pas à s'acheter une plaquette de Nivakine pendant qu'ils sont malades. Alors que pendant qu'ils étaient en activité, ils ont chanté, ils nous ont fait vibrer. Et c'est quand ils meurent que tout le monde court, on s'habille, on envoie des délégations, on envoie de l'argent à leurs parents. Quelque chose doit changer, bien évidemment, on a parlé de ça. On a effectivement aussi parlé des malversations, des cas de malversations qu'il y a eu en ce qui concerne le fonds d'aide, la gestion du fonds d'aide à la culture. Les réformes sont en cours, le président Talon sait ce qu'il doit faire, mais comme on le dit, il ne faut pas faire les réformes sans les acteurs qui sont concernés par ces réformes. Donc, s'il doit y avoir réforme au niveau de la culture, que le président Talon veuille bien associer les acteurs culturels. Ils ont des idées. On a écouté Richard Flash, on a écouté Stanton tout à l'heure. C'est pas à moi de lui apprendre ce qu'il faut faire au président de la République et il sait bien le faire. Je pense que il pourra, n'est-ce pas, et considérer les avis, les opinions, les propositions donc de ces acteurs culturels, de ces acteurs de culture, de ces artistes dans le cadre des réformes. Suppression du fonds d'aide à la culture, personnellement je ne pense pas que ce sera une bonne chose, mais s'il y a une malversation au niveau de la gestion du fonds d'aide à la culture, que les audits se fassent et que les gens payent. Ça c'est tout ce que moi je dis chaque fois, quand il y a malversation quelque part, il faut que la personne paye. Donc je suis d'accord que l'on fasse le ménage au niveau du fonds d'aide à la culture, mais je demande au président Talon de ne pas supprimer, juste pour supprimer, le fonds d'aide à la culture parce qu'il y a eu malversation, parce que certains ont toujours besoin, nos artistes ont toujours besoin de ce fonds d'aide. Donc un message personnel après celui de Thoron et celui de Richard Flash, un message personnel au gouvernement, c'est que le fonds ne soit pas juste supprimé pour être supprimé. Il ne faut pas tout simplement supprimer, il faut faire le ménage à ce niveau, il faut remettre les choses en ordre, il faut considérer une meilleure gestion en ce qui concerne cela. Alors, merci à chacun, merci à tous ceux qui sont restés en ligne. Le dimanche prochain, il n'y aura pas de Zapping Live parce que malheureusement, il serait en déplacement, il serait à Chicago.
Dans 2 semaines, nous allons nous retrouver certainement pour faire encore un peu de promotion. On est tous fatigués de la politique, n'est-ce pas? On va se séparer avec donc cette mélodie de Wally Badaro, cette mélodie, une vieille mélodie de Wally Badaro qui me rappelle mon enfance. Écoutons plutôt. Bon dimanche à vous. Le dimanche prochain, un petit live peut-être depuis Chicago ou bien le lundi. Ça me fera beaucoup de bonheur, n'est-ce pas? Au revoir à vous. Merci à chacun. À bientôt. Merci infiniment. Je veux dédier cette mélodie, cette belle séquence de Wally Badaro à tous ceux qui sont restés en ligne aujourd'hui. Je rappelle à tous nos amis, et ça c'est un message que je veux faire passer personnellement à tous les Béninois de la diaspora qui sont ici aux États-Unis, qu'il y a un événement culturel qui va nous réunir tous le dimanche prochain. Ce serait à Chicago, un événement culturel. Ce serait la nuit extravaganza, n'est-ce pas? Et ça, il y aura plein de Béninois, il y aura tous les Béninois de tous les États-Unis qui seront présents. C'est donc conçu et réalisé par Christo Event, notre compatriote Christelle Bédo, qui vit à Chicago. J'y serai et je serai heureux de retrouver beaucoup de Béninois là-bas et nous allons vous envoyer effectivement les images pour vous dire que même à l'extérieur, les Béninois sont toujours unis et font toujours rayonner l'art, la culture et font toujours rayonner ce qui nous réunit ensemble au Bénin. Merci à chacun de vous. Merci à ceux qui sont restés en ligne. Merci à toi, Alexander Banza. Et j'ai eu ta question tout à l'heure, mais le temps ne m'a pas permis de la poser à nos deux intervenants. C'est sûr que nous allons revenir une autre fois dans une autre émission et nous allons pouvoir parler avec eux. Je serai également heureux de t'avoir un de ces jours en direct dans le Zafin Live. Merci à toi. Merci à Pompimpa depuis Chicago. Merci à Florence Sossou. Merci à Justin Ebor. Tous ceux-là qui nous ont rejoints en temps. Dans 2 semaines, nous allons encore nous retrouver pour un autre live. Le dimanche prochain, je serai à Chicago. Au revoir.